Je me présente, moi c'est un homme. Dans le jargon du trésor public, on pourrait dire que je suis une sorte de foyer non imposable de l'amour. Oh non. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien je dirais que je me sens un peu comme un tatouage gratuit qu'on aurait offert à un hémophile. Et donc du coup, évidemment, personne ne profite jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de votre blondeur aussi légendaire que désormais suspecte, et de ce petit ascendant bistouri. Elle n'est pas suspecte. Bon, la blondeur là, elle est arrangée, mais elle est depuis la naissance. Elle est légendaire en tout cas. Et de ce petit ascendant bistouri, que souvent les femmes célèbres qui ont connu la télé en noir et blanc, et bien de ce fait. Eh bien, il n'y a pas eu de bistouri. Non, mais vous êtes une sorte de mix. Vous êtes une sorte de mix entre cette femme politique aussi admirable que cocu, qu'est la douce Hillary Clinton, et la version 2030 de cette animatrice de télé aussi souriante qu'indéboulonnable, qu'est l'endurante Sophie d'avant. Et bien malgré cet ascendant au RTF qui ne nous rajeunit pas quand même, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer en vrai un personnage incontournable du petit écran qui réussit l'exploit malgré plus de 30 longues années de traversée du désert, de rester une véritable légende, un statut enviable, acquis à la sueur du front, dans le sens où depuis l'arrêt brutal, aussi bien de la carrière de Giscard que de l'émission Midi Première en 1981, et bien là où certaines courtisanes se seraient laissées entretenir en attendant une éventuelle réélection, de votre côté, on peut dire que vous avez eu le nez creux en multipliant les petits boulots pour continuer à faire la une des magazines, et notamment en 1988, ou probablement là, de faire des animations dans les supermarchés pour essayer de booster un peu les ventes de vos singles Bonne Fête Maman et La Bouche en Cœur, et bien vous n'avez pas hésité à offrir au lecteur du magazine Lui, la preuve que la grande duduche est bel et bien blonde de la tête au pied d'un chameau. Et vous savez quoi, et bien d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun en fait, dans le sens où je suis comme un petit niveau, ayant passé de nombreux étés chez mon pépéronné, que vous, en tant que photographe amateur, a toujours aimé me tirer, aussi bien le portrait que tout court, en fait. Et bien, de ce fait, je peux vous dire que je n'étais hélas pas encore brune de partout, comme on dit, les nombreuses fois, ou à l'aide de son téléobjectif, mon pépé est venu chôter dans ma chambre noire. Et en parlant de finir au trou, justement, j'ai découvert qu'en 1989, vous avez fait 7 jours de prison pour avoir prêté votre image à une publicité mensongère qui vantait les mérites de la bague de Ré, un anneau censé procurer chance et bonheur à ceux qui le portaient pendant 30 jours. Un petit mensonge sans grande conséquence comparé à l'arnaque abominable dont j'ai été victime en achetant au téléachat de la chaîne XXL la bague de Périnée, un anneau du bras, soi-disant inoxydable, censé muscler le Périnée et autres zones d'atrophie chez les célibataires de longue durée. Bref, une cochonnerie made in China qui, croyez-moi, après 3 jours d'utilisation, m'a coûté une véritable fortune en mitosine. Sur ce petit incident un peu dégueulasse, j'en conviens, je vous abandonne. Je file de ce pas tenter ma chance au Chili, où un évêque portait sur les petites jeunes vient de donner sa démission au pape. Donc je suis comme moi, l'enfant de cœur de l'amour qui est en vous. Notre souhait finalement, celui d'être enfin pénétré par la foi, comme on dit. Eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Bravo, quelle inspiration. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foïs, sur le Move.